Il a vu une marque de sang à côté de sa main. Hello. Oui, il s'est intéressé à ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur. D'autant plus que ses chiens avaient commencé à réagir intensément à ce qu'il y avait à l'intérieur en aboyant sans cesse. Il a alors pensé qu'il y avait peut-être un animal mort à l'intérieur. Dans un premier temps, il a d'abord essayé de déplacer son sac avec son pied, mais il était trop lourd. L'homme a donc dessiné un peu la fermeture éclair du sac. Il a alors remarqué un truc, mais cela ne l'a pas effrayé. Il pensait qu'il s'agissait d'un mannequin. Ce pied avait l'air tout à fait artificiel. Mais lorsqu'il a ouvert, ce n'était pas un mannequin, mais le corps d'une femme qui était certainement présent. Il s'en est rendu compte quand il a touché le corps, et le corps était complètement froid. L'homme a immédiatement appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont pu confirmer cette solution. La femme était déjà morte. Les policiers ne savaient pas qui était cette femme, car aucun document permettant de confirmer son identité n'a été trouvé sur lui. Pendant que les policiers s'occupaient de la mise en sécurité du corps, l'homme qui avait trouvé le corps de la femme voulait ramener ses chiens à la maison. Il savait qu'il devrait se rendre au poste de police pour faire une déclaration, mais ne voulait pas aller à la police avec ses chiens. Mais dès qu'il s'est éloigné d'une centaine de mètres, de nouveau, il s'est engagé. Ce jour, on remarque quelque chose en fait dans sa poche. L'homme a remarqué des traces. Ses empreintes ont conduit le policier devant une belle maison de trois étages d'une valeur de 2 millions d'euros. C'est dans cette maison qu'il fait appel à la sorte. Seul le fils d'un garçon était présent à la maison. Léo a été surpris par la visite des policiers. Il n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Je ne sais pas que sa mère est en train de se faire. Oui, après tout, voilà. Et quand elle était rentrée, le garçon dormait déjà. Lorsque les policiers sont arrivés dans sa chambre, ils ont remarqué les nombreuses traces de sang dans la maison. Certaines se trouvaient au rez-de-chaussée, mais la grande majorité d'entre elles se trouvaient au sous-sol de la maison. Let's go.